il y a un Dieu pour les malheureux. Tous ceux qui ont été opprimés, un jour, leurs têtes seront levées. Noirs dans les champs de coton, noirs dévorés par les cochons. Ton heure est arrivée, c'est le jour de la vérité de Dieu. Noirs affligés, pleurez et rire, car ce sera l'émotion, votre élection, qui va guérir la plaie du monde. Le premier sera le dernier sera le premier. Parole de Dieu qui va se réaliser aux élections des Nations Unies. Est-ce la prophétie? Le noir humilié, rabaissé, dernier des peuples sera-t-il le premier? Lui qui jadis était le chef, pharaon prémisse d'une dynastie précaire. On a vu les derniers devenir les premiers. On a vu les royaumes devenir plus petits que trois pommes. Est-ce la prophétie d'une race qui ne peut pas fondre dans la masse, changer sa peau ou gagner à la loto de la vie? Quand viendra la prophétie? Sera-t-il l'homme de la prophétie, le noir du siècle, qui sera le maître? Si c'est pas lui, c'est la prélude d'un jour à venir, d'une parole sacrée. Un jour viendra, un noir sera président des États-Unis, car il est écrit, le dernier deviendra le premier. Le noir qui était mis à l'écart, souvent pendu, cause de leur vue, posé sur des femmes blanches, ils se sont accrochés sur des branches d'arbres maudites. Quand viendra le mythe où l'on voit des négos avec des blondes, splendides bombes atomiques dans les bras des héros? Des noirs esclaves mourant cause de leur négritude et qui ne méritaient même pas une cave assommée par des coups. Ils sont jetés dans un trou, arrosant leur tête avec du sirop, dévorés par les fourmis, éventrés par les taureaux. Ils étaient les derniers de l'humanité et maintenant seront-ils les premiers? Un noir deviendra le maître de ce monde. Dieu fait sortir l'homme du fumier pour en faire le premier. Roi de la terre, on est tous enfants de Dieu. Il ne fait exception de personne. Noir, juif, arabe, asiatique, blanc, bretonne. On est tous fils de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Un moment pour prendre une pause. Un jour pour cueillir les roses. Et un jour pour pleurer. Sachez qu'il y a un Dieu pour les malheureux. Dieu a créé Pharaon. Et maintenant, Obama, après plusieurs siècles, il est né un roi qui deviendra maître de cette galaxie, président d'un pays qui dirige le monde. Il faut comprendre, tous les hommes sont nés égaux, sinon le monde ne serait pas beau. L'inégalité des hommes, l'histoire raconte Joseph vendu comme esclave par des frères en ramenant les vêtements de son cadavre, dernier chez le roi Pharaon, devenir l'un des premiers, car Dieu est bon. Le Seigneur est juste, tôt ou tard, un noir deviendra président des États-Unis. Je vous parie, car je l'ai senti. Le premier sera le dernier sera le premier. Le premier sera le dernier sera le premier. Le premier sera le dernier sera le premier. Un exemple à suivre, une élection à vivre, l'événement du moment, un mois de novembre qui aura l'émotion de rebondissement, de tension et de surprise. Quand viendra la brise fraîche qui soufflera sur le visage des noirs qui jadis étaient sous l'empire du pouvoir des vampires. Personne n'est faible, personne n'est fort. Après la guerre, il n'y aura que des remords. Unissons-nous les uns les autres. Dieu nous a créés avec ses mains. Le grand jour va arriver où tous les yeux du monde verront une colombe avec une couronne sifflant avec une trompette pour annoncer cet homme noir sera président. Et ce sera la fête de tous les noirs puisqu'il est écrit le dernier sera le premier. Les Américains aux élections, quel jour d'action! Une rédemption de la dignité, une fierté retrouvée, un moment attendu après des années noires vécues. Le soleil est revenu au sommet de leur vie. Nous qui sommes incarcérés par milliers
à cause de notre différence. Maintenant, c'est notre chance. Fini le temps où le noir uniquement a le droit d'ouvrir sa bouche dans une trompette, dans les fêtes. Ça va faire mouche quand le futur président noir fera son discours. Toute créature de Dieu est égale. Une nation opprimée injustement sera relevée après un temps ou un siècle. On devient maître ou esclave, que l'on soit lâche ou brave. L'homme marche sur le dos de Dieu, leur destin est dans sa main. Personne n'est au-dessus de personne. Les gens pauvres ne sont pas seuls, car il y a un Dieu pour les malheureux. Il ne faut pas les toucher, vous risquez de brûler, car les yeux de Dieu sont sur eux. La fin du monde approche, ce serait moche de ne pas vivre ensemble, puisqu'on se ressemble. Le premier sera le dernier, le dernier sera le premier. Le premier sera le dernier sera le premier. Le premier sera le dernier sera le premier.